numéro 2, équipier secouriste numéro 3, procéder à la RCP. On faisait du secourisme, il y avait un arrêt cardiaque et on faisait un exercice entraîné. On a mis le défibrillateur pour essayer de remettre la fréquence cardiaque de la victime. D'ailleurs, c'est la cohésion d'abord, et puis penser aux autres avant soi, mais il faut avoir beaucoup de mental aussi. Et on ne peut pas faire n'importe quoi en fait, il faut faire les choses comme elles sont faites là, parce que sinon on peut aggraver ou faire mal à la victime. Il faut vraiment essayer de faire le plus délicatement et dans le même ordre qu'on a fait. Chaque jeune vient tous les samedis matins de 8h à 12h30 en période de vacances scolaires. Donc ils arrivent et la journée est formulée en différents temps, un temps sportif, qui leur permet de développer la cohésion sportive, l'esprit d'équipe et aussi leur endurance physique, et un deuxième temps réservé concrètement à la formation, à la fois théorique et pratique.